Salut à tous et bienvenue sur ce petit live. Petit. On va voir ce qu'il en est là aujourd'hui par rapport à ça. Alors, les deux derniers précédents épisodes, ça a été l'accomplissement d'avoir cette belle maison après une petite quête. Et d'ailleurs, j'ai adopté deux enfants. Un garçon qui s'appelle Maman m'a emmené au marché. On a vu un François minotaure et un Beaufort. poisson. Je suis sûre que même toi, t'aurais Et voulu j'ai le sauver. une fille qui s'appelle Rina Justelich Egide. Et avec tout ça, je vais épouser rapidement la belle Encore merci d'avoir résolu mon Murir. problème. La belle Murir, celle qui m'avait demandé d'assassiner son ancien mari. Voilà, je Encore l'avais trouvée merci belle d'avoir sur le résolu moment. mon problème. Ah, y a pas de souci. T'as de beaux yeux, tu sais. Encore merci d'avoir résolu mon problème. T'inquiète pas. Allez. Et du coup, maintenant, on va pouvoir continuer la quête principal. Je vais aller regarder le poids que j'ai sur moi. Est-ce que j'ai déjà tout enlevé ici? Ah non, j'ai des trucs à jeter. Ça. Les gosses au sol dehors, ils le ramasseront. Et c'est parti, et on va aller devoir, hop, aller du côté de Blancherive. Alors le plus près pour y arriver, c'est d'aller à sa ferme et de remonter la montagne comme ça. Allez, c'est parti et on va se faire un petit plaisir. En plus, il fait beau. Et en plus, il fait beau. Alors, est-ce que t'as encore du blé qui est renouvelé? Oui. Et c'est parti. Bon, sinon, comment vous avez apprécié ce let's play? On est déjà pris pratiquement au 30e épisode. Oula. Alors, attendez. Hop. On va essayer de se les faire en sang et pélier. Ton copain qui t'a foutu une flèche dans la tête, ma parole, c'est pas de chance pour toi. Allez, assez, ma parole, tiens. Pauvre mammouth. Et c'est juste une zone comme ça, sans rien. Tu vois, cette zone-là, j'avais jamais fait gaffe. Je suis jamais venu dans cette zone-là. Et pourtant, oh, c'est pas dans Orc. Et pourtant, du Skyrim, j'en ai bouffé des heures et des heures. Mais non, cette zone-là, je l'avais jamais faite. Ou du moins, je m'en souviens pas. Je me souviens d'énormément de choses, mais là.
J'ai presque un trou de mémoire. Est-ce que ça vous plaît, tous ces petits let's play là pour cet été? L'été chaud, l'été frais, un peu de joie et de gaieté dans mon let's play pur magicien. Alors, si je commence à être bon en plus en destruction. Je regarde quand même les points, hein. Les points que je mets, j'en ai pas. Illusion, on est intéressant. Alors le truc qu'il faudrait c'est vol à la tire, il faudrait que j'aille choper ce pec là. 100 points de port. Donc il faudrait que je mette un point ici. Il faut monter à 50 points de vol à la tire. On va continuer, commencer, crochetage, furtivité. Mais j'ai mis que la main de main parce qu'en plus je fais x12. Attendez, x12. Et si je fais une arme à une main, L15, ça fait x30. Je peux passer x30 avec une dague. Mais je n'avais pas le droit d'utiliser. Je n'ai pas le droit d'utiliser les armes à une main. Pas n'importe lesquelles, hein. Ça, je vais le prendre plus tard. Et je n'ai pas le droit d'utiliser les armes à une main non magique. Le fait que j'invoque mon arme à une main est considéré comme de la magie. Je préfère parier après pour la hache à deux mains plus tard et pour l'archerie plus tard avec un autre sort. Donc tout ça, ça reste dans mes trucs. Parade peut-être. Ce serait bien que je chope un bon bouclier, je pense, plus tard. Et l'armure lourde, ça montera petit à petit quand j'aurai une belle armure. Enfin, je trouve un nouveau. Non, hop. Un nouveau masque. Allez, on continue. C'est ici. Parce que si j'utilise moins la magie, il serait bien que je change complètement de tenue du coup, peut-être plus tard. Ça c'est discrète avec une arme à une main. Donc là quand t'es discret, le plus 50. Lui il faudrait que je le change. Je sais où il y en a un autre, donc peut-être que j'aille le chercher, c'est ça. Changer après ma robe d'archimage, je sais pas. Parce que la magie me sert quand même très très bien encore actuellement. Mais one shot? Si, inadmissible. Voilà, je voulais montrer par rapport à la conjuration. Ici, j'ai épée liée, on peut avoir hache liée et arc liée. Donc, c'est des sorts. Mais ça me met en mode. Voilà. Il y a du massage moins 10% coup de truc. J'ai peut-être pas forcément besoin de tant de magie.
Bon, là, je vais aller un peu plus vite, hein. Ah. Après le souci. Comment? Bon, je vais revenir à l'endroit où j'étais, mais j'ai pas compris pourquoi l'autre m'a attaqué. Bon, c'est un adepte de. Ah oui, c'est vrai, j'ai le truc de Mara, non? Mais je crois que je l'ai plus. Hein. Il faudrait que je change aussi de. Oui, mais t'es décalé aussi, mon amour. Voilà, j'ai des armes à une main, je fais que de la magie. Et donc à voir si j'investis après, si j'investirai pas après dans une armure lourde. L'armure orc, c'est quand même une belle armure quand même. J'ai très peu d'armure, c'est peut-être pour ça que je prends au taquet de dégâts quoi aussi. Et alors parler à ce monsieur. Au début, c'était. Allez, on continue. Par les divins tout-puissants, vous êtes là. Vous êtes vraiment là. Cet horrible sacrement noir. Ça a marché. Oui, on dirait bien.
Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. J'ai un contrat à vous proposer. Plusieurs, en réalité. Ce que je vous propose, c'est probablement le contrat le plus important que votre organisation ait eu à honorer jusque-là. Comme je vous l'ai dit, je veux que vous tuiez plusieurs personnes. Les cibles et les méthodes seront tout aussi variées. Je suis sûr qu'avec votre tempérament, vous finirez même par aimer ça. Mais sachez que ces meurtres ne sont qu'un moyen pour parvenir à nos fins, car ils ne feront qu'ouvrir la voie pour tuer notre cible principale. La raison pour laquelle je m'abaisse à parler à un coupe-jarret dans les entrailles de cette horrible crypte, c'est que je veux commanditer l'assassinat de... l'Empereur. Oh, merveilleux. Vous ne savez pas combien je suis heureux que vous ayez dit ça. Tant de choses se sont produites pour en arriver là. Toute cette organisation et toutes ces manœuvres, c'est comme si les étoiles s'étaient enfin alignées. Mais je me laisse emporter. Tenez, remettez ceci à votre... chef. Rexus, les objets. Est-ce que je peux tuer ce Rexus ? Ici. Ici. La lettre cachetée donne le détail de ce qui doit être fait. L'amulette a énormément de valeur. Vous pouvez vous en servir pour couvrir toutes vos dépenses. Vous avez besoin d'autre chose. Ben, je voulais visiter le... Vous avez besoin d'autre chose. Ah, c'est ici que t'as fait le sacré moi, hein, ok. Alors. Tenue, c'est quoi cette amulette? Amulette dorée, 1000 de valeur. Ok, ouais, c'est une belle amulette. Je vais pas la lire pour l'instant. Je sais que le messager, c'est pas moi le chef. Je vais pas prendre l'initiative de prendre la place du chef, elle aimerait pas ça. Ici. Un bouclier Dwemer. Porte de Kane de l'ancien, là je peux pas rentrer ici. Et on va fouiller un peu la zone quand même alors. Je récupère le perk en magie blanche là, tac 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 tac. Ah, je crois que c'est niveau 40, non? Ouais, niveau 40.
ça augmentera ma rigueur en même temps. Oula. Ah, y'a un seigneur, carrément. Je vais pas faire l'idiot là. C'est pas le souci, c'est pas d'aller les tuer. Hein. Le souci, c'est est-ce que je vais résister à l'attaque de l'autre avec juste l'épée. Eh bien, on va faire ça. On va faire ça. On va mettre. Flèche d'ébonite. Ah, j'ai réussi. Ça prend un chef d'ébonite. Ça me donne rien d'autre. Ah si. Le maniement des masses. La hache cérémonielle. C'est quoi cette hache? Ok. Je vais peut-être aller à l'autre endroit. Mais je suis content, j'ai réussi à le battre. C'est un petit moment tranquille là.
pas vu qu'il était couché. Lui. Est-ce que lui est toujours là, lui? Garde du corps, oui. Alors, je sais pas ce qui se passe si je tue son garde du corps. Alors lui, il est ici. Comme tu veux. Elle finit dans combien de temps? Ah, elle finit dans une demi-heure, oui, j'irai la chercher. Il se promène là, il est là. Ah, je vais essayer de le blesser avec l'arme à une main. J'allais en douceur. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'entendent plus mes sons en fait. Et c'est ça qui est super intéressant avec mon magicien. De sorts que je veux, ils entendent pas rien grâce à mes sorts silencieux, et c'est une finalité extrême. Il va falloir que je m'arme de patience. J'essaie de pécho dans le loup. Qu'est-ce que nordique? Voilà, en plus
augmente à fond certaines choses. Amour, c'est l'heure de l'or à l'air. Et du coup, on va finir hop. Le donjon ici. Oula. Qui voulez-vous que je combatte là? Je sens un pouvoir m'appeler. À quel moment tu m'as vu, toi? Sérieux, lui, il n'est pas censé me voir. Ah, il va me saouler, lui. Pas faire le malin. Ouais, voilà. Maintenant, hop, épée liée. Ok. Même l'attaque dans le dos n'y a rien fait.
Pretzel. De verre, Hawkins, ok, étude, ok. Ah, j'étais obligé de faire ça pour essayer de les battre quand même. La sortie là-bas. Potion de force, qu'est-ce qu'il me donne? Truc elfique. Les armures elfiques elles sont moches je trouve dans ce jeu. Ah, la puissance vient en moi, la puissance. Une puissance inconnue encore. Elle vient en moi. Calmer mes ardeurs. Des petites rouges comme ça là. Hop là. Attaque du prêtre dragon. Ok. Petite dague quand même, pas très. Ok. Et tenue, qu'est-ce que j'ai? Hop, pécho. Deux armures. Ah non, lui c'est une armure lourde. Okay. Bon. Je
C'est juste pour ça, ok. Regarde les glaces là. Non, je reviens. Alors du coup, j'ai fini la quête, du coup, hop là. La quête qui était là, voilà, silence. La loi du silence. Et on va retourner voir Astrid et on va s'arrêter là pour le moment. On va dire de toute façon qu'on n'a pas lu le mot parce que ce n'est pas nous le chef de la guilde. Je ne me prends pas encore pour le chef de la guilde tant que les choses ne sont pas faites comme ça. Mais je voulais tester un truc avec vous. Est-ce que je peux assassiner son garde du corps? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Faire pour le tuer facilement. Non, c'est l'aura l'air là. Le trait rouge là au milieu là. Allez, c'est parti. Hop, on retourne directement à Astrid et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, on va ici. Pressage et on va pas lire la lettre parce que je suis un bon élément. Vous êtes de retour, bien. Alors, avez-vous rencontré ce motière? Que voulez-vous? C'est une plaisanterie. Bon. Qu'est-ce que c'est? Parsitis, vous ne plaisantez pas. Tuer l'empereur de Tamriel? La confrérie noire n'a pas commis d'acte de cette envergure depuis l'assassinat de Pelagius. D'ailleurs, personne n'a osé assassiner un empereur de Tamriel depuis le meurtre d'Uriel Septime, il y a 200 ans. Eh oui. Non, certainement pas. Et pour une raison que j'ignore, c'est à vous qu'elle a choisi de transmettre les informations de Motière. J'ignore ce qu'il se passe au juste. Si vous êtes l'oreille noire ou si c'est un coup de chance. Mais avec ce qui nous attend à présent... Et comment que nous l'accepterons? Si nous réussissons notre coup, la confrérie noire sera crainte et respectée comme jamais. Vous pensiez que j'abandonnerais une occasion de conduire ma famille à la gloire? Mais cela fait beaucoup à assimiler d'un coup. J'ai besoin de temps pour lire cette lettre et pour définir une ligne d'action. Et cette amulette... Je pense que nous devons faire estimer cette amulette. Je veux savoir d'où elle vient, combien elle vaut, et si nous pouvons la vendre sans nous attirer d'ennuis. Un seul homme peut nous aider dans ce domaine, Delvin Mallory. C'est un receleur privé. Il travaille dans la souricière à Fayez. Donnez-moi la lettre. Apportez l'amulette à Mallory. Découvrez tout ce que vous pouvez et vendez-la lui s'il est d'accord. Il vous offrira une créance. Acceptez-la.
La confrérie noire a déjà eu affaire à Delvin Mallory. On peut se fier à lui. Ok. Et Delvin Mallory se trouve à la quête des voleurs. Donc je serai obligé de commencer. Et bien voilà. Nous y sommes. Je vais me poser là, tranquillement. Et on se dit à la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. À plus, ciao, ciao.